Et salut à tous et bienvenue, je suis Nucleogeist pour vous servir et j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour la suite de notre intégrale Final Fantasy. On a commencé dernièrement FF15 et on va le continuer tout simplement. Ce soir, c'est mode détente, je vous le dis direct. Tac, voilà, mieux. On est en mode tranquille ce soir. Donc voilà, on profite, on se pose et on passe une bonne soirée sur FF. Comme on en a l'habitude, j'ai envie de dire. Bonsoir au chat, salut Iseline et Hardok qui êtes déjà là, salut à vous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, un bon week-end. Et salut à tout le monde qui arrive. D'ailleurs, avant qu'on se lance, je vais revenir très rapidement. Salut Blue! Je vais revenir très rapidement sur un petit truc dont on parlait lors du dernier live. Si vous vous souvenez, à la fin du live, j'étais en mode, putain, c'est quand même chelou que je n'arrive pas à retrouver le PNJ pour changer le skin de Noctis, etc. Pour jouer avec notre propre perso du mode multi. Comment expliquer ça? J'ai fait des recherches, de plus amples recherches, après avoir coupé le live la dernière fois. Et il s'avère que c'est une feature qui a tout simplement et tout bonnement été supprimée. Le 23 juin de l'an dernier, si je dis pas de bêtises, le bordel a tout simplement été supprimé. Pourquoi? Me demanderez-vous, à juste titre. Parce que sinon, ça faisait bug et crash le jeu. Donc, du coup, voilà. Du coup, ça a été enlevé. Et on a pu admirer, lors des deux premiers lives, hein, que ça a évidemment réglé le souci. Pas du tout. Du coup, voilà. Puisque, premier live, on s'est mangé un lag des enfers qui a fait planter le PC. Deuxième live, bon gros crash qui a désynchro la cam. Non, ben, je pense que là, on est sur un beau jeu qui ben, il tourne bien. Oui, ça me paraît bien. Mais voilà, donc après, j'en rigole un peu, hein, j'en parle mal, mais bon. Donc c'est une feature qui était apparemment uniquement disponible quand elle l'était, elle n'était uniquement disponible que sur PC. Les joueurs console dans le cul, j'ai envie de dire. Et salut Sakura, comment vas-tu? En gros, il n'y a plus aucun support des fonctions online. Je reprends la petite note que j'avais mise sur le Discord. Plus aucun support online de FF15, hein, voilà. Alors du coup, j'imagine qu'ils ont quand même laissé le serveur de mode multijoueur, parce que bon, faire une mode multi en ligne s'il est plus dispo, c'est quand même très con. Ça, j'avoue, j'ai pas vérifié, mais j'avoue, je suis assez curieux et je vais pas le lancer, parce que ça spoilerait certains trucs pour ceux qui veulent découvrir FF15. On le lancera plus tard, en tout cas, je ferai le test. Et j'ai pas envie de le lancer hors live pour que vous ayez la scène d'intro, en fait, pour ceux qui ça peut intéresser. Le mode browser. Il est plus géré par le jeu, hein, je vous le dis. Il y avait un mode, hein, il est là. Il est plus géré par le jeu. Ni mis à jour, ni quoi que ce soit. Vous les modder, bah, démerdez-vous. Et puis voilà. En gros, il n'y a plus aucun support online de FF15. Donc, bah, voilà, donc on ne pourra pas revoir Madelan in-game. J'ai toujours les photos, hein. Mais voilà, le reste, c'est non. Mais bon, écoutez, hein. Ça sait pas quoi veut dire d'autre. C'est purement et simplement de la merde. Oui, je suis assez d'accord, ouais. Je suis assez d'accord. En soi. Quand on fait le jeu la première fois, bon, tu fais avec le perso du jeu, je dis ça normal. Moi, ouais, j'ai envie de dire, ça fait la troisième, je sais plus, c'est la troisième ou quatrième fois que je fais le jeu. Ouais, j'ai envie de dire, ouais, j'ai pas envie de changer de skin, quoi, pour rigoler, pour s'amuser. Et j'ai pas envie de modder le jeu, en fait. J'ai juste envie de changer des skins. Alors oui, vous me direz, ouais, tu peux faire ça avec tes mods. Ouais, mais bon, y a, littéralement là, j'avais pu faire mon perso à moi. Perso, en termes de mode, je suis une grosse brêle, hein, je n'ai aucune idée de comment ça se crée en fait. Donc j'ai aucune envie.
d'avoir à aller chercher des mods pour, en me disant eh, peut-être qu'avec un peu de chance, je vais pouvoir tomber sur quelqu'un qui a fait un perso qui ressemble à peu près à ce que je veux. Genre, bah, non, c'est juste chiant. C'est juste extrêmement relou, je veux pas faire ça. Mais bon. Je sais pas, il y avait tout dispo et apparemment, ça faisait crash le jeu. Ouais, bah c'est super bien réparé votre truc. Et salut Joker! Comment ça va? Je débarque et ça parle de merde. Ah oui, bon ça j'ai envie de dire. Hein. Je crois en plus, en mode, il n'y a pas grand-chose. Oh, il y avait... à l'époque où j'avais regardé ça, c'était l'an dernier quand je m'étais amusé à regarder ce qu'il y avait. Quand j'avais fait ma partie là où j'étais chapitre 9 et que du coup je jouais avec ma Mélane, ma moi, au lieu de Noctis. Par curiosité, j'avais regardé ce qu'il y avait en mode. Et bon, il y a pas mal de skins, mais les trois quarts des trucs, c'est ouais, jouer avec Cloud à la place de Noctis. Ouais, jouer avec Squall à la place de Noctis. Ouais, jouer avec Hatsune Miku. Sans déconner, quoi. Enfin, ouais. Or, je passe évidemment hein, les nombreux, très nombreux skins de ultra décolleté, de. Pour les plus habillés, j'entends, hein, évidemment. On passera sur tout ce qui est Nude et compagnie. Évidemment, qui eux, alors ça, par contre, ah, ça, ils sont à jour, hein, ça, y a pas de souci. Mais bon. Diantre, mais c'est un chargement de l'enfer. Ah ouais, tous les chargements de FF15 sont un peu longs. Il y en a peu, mais ils sont longs. Vous êtes prêt à partir? Ouais, ok. Je suis prêt si t'es prêt. Pareil! Mais bon. C'est. J'ai envie de dire, c'est le problème, quoi. Bon, où est-ce qu'on en était? Level 16, c'est pas mal. En termes de quête, qu'est-ce que j'ai? Ouais, les améliorations. Ah oui, c'est vrai que je pouvais amener. Alors, la vibrisse de curl, je ne l'ai pas. Par contre, le métal rouillé, ça, j'en ai. Lui, il voulait quoi? Ouais, au pire, je vais aller lui chercher du bordel. C'est de l'XP. Tranquille. Ensuite, on va faire ça. Ensuite, on va faire ça. Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Allez, on va y aller. On va y aller, ça va être super. Et salut Evan, comment vas-tu? Ah, ça y est, mon jeu est passé en mode... En mode... comment on appelle ça? En mode manette Xbox sans aucune raison. La pêche doit être bonne par ici. Tac. La dernière mission est vachement relou. Ah non, c'est toutes ces missions qui sont reloues, hein, Sadia. Il n'y a pas une meilleure que les autres. Hein. Avis personnel, évidemment. Bon, non, ça on verra plus tard. J'ai pas envie de pêcher pour l'instant. Il pleut, c'est chiant, il fait froid. Ah ben en fait, j'étais pas du tout arrivé au bon endroit. Vivement qu'on lui mette quelques levels. Mais non, recule pas, pépère! En douceur. Vivement qu'on lui fasse prendre quelques niveaux à notre chocobo. Comme ça, au moins, il me suivra. Mais ouais, je trouve que c'est bon. Enfin, ce système était sympa. Je comprends pas qu'ils aient enlevé ce truc alors que leur stab était. Enfin, leur jeu est déjà instable de base. Hein. De toute façon, les portages PC des jeux FF. Hein. Parlons-en, j'ai envie de dire. Merci. Mais bon, voilà quoi. Et salut, Rockstar! Hein. J'ai pas fait le jeu. Tu veux pas changer d'endroit, dis donc. Bon, Bichel, c'est une quête de pêche, je vous le dis. Vous êtes en train de pêcher? Ça t'intéresse ou bien? Bah ouais.
Je pêche souvent. Ça alors? T'es de la profession? Hé, hey, je connais un bon coin, suis-moi. Je me souviens pas de t'avoir vu par ici. Tu viens de te mettre à la pêche? Non. On va dire ça. Non. C'est vrai? Je m'appelle Nevis. Je suis un vieux roublard qui fait le tour du monde tout en pêchant. Dis donc, gamin, est-ce que ça te dirait de relever un petit défi? Un défi? Je cherche un poisson, le Barramundi du Rock. Si je t'ai juste appelé Joker. Je te donnerai un truc en échange. Alors? Ok, ça se tente. J'en étais sûr! Voilà, ça, je m'en fous. On la fera plus tard. J'ai pas fait le jeu et j'ai même fait peu de FF, mais j'ai toujours l'impression que ce jeu est totalement à part des autres de la licence, même si je sais que c'est le principe de la licence. On parle quand même d'un FF avec des fast-food. Les F sont toujours... j'ai envie de dire, comme tu dis, c'est le principe de la licence. En fait, chaque FF ne se ressemble pas, alors, à part les 2-3, hein, évidemment, hein, le 10-2, 13-2, etc. Mais oui, c'est le principe. Et j'ai envie de dire, des fast-food, dans FF8, il y en avait. Par exemple. Je l'ai chopé. Dans le 7 également, puisqu'on parle de d'une ville hyper technologique, hein, de Midgar quand même. Voilà, c'est pas non plus le vieux bled du coin, donc... Mais non, en termes de fast-food, alors, c'est vrai qu'ils sont plus mis en avant, dans le sens où tu y reçois des quêtes, ça te permet de te reposer, de bouffer, de mettre à jour ta carte, etc. Donc, c'est vrai que c'est plus mis en avant, je suis d'accord. Mais en soi, il y en avait déjà avant. Hein. Pour l'instant, on va te laisser tranquille, toi. Attention, compris. J'ai perdu l'occasion de me dire. Ah non, le 7 et le 8, je les ai faits et les... On va s'amuser. Oui. Ouais, alors level 27 par contre, c'était bien gentil. Michel, je suis level 16, hein, donc on va se calmer. Hein. Bon, ça va être compliqué de faire la quête pour l'instant. Au pire, je reviendrai. Quand tu fais... Oui, non, je sais pas. C'est pas la peine de donner des conseils. Comme je disais, le jeu, je l'ai fait, c'est la quatrième fois que je le fais. Et les trois parties précédentes ont été faites à 100%, donc je vous inquiétez pas. Donc cette quête-là, pour l'instant, je ne pourrais pas la faire, puisque le mob qui a genre le double de mon level, je pourrais faire le combat, mais on va y passer un petit moment, donc dans l'idée, voilà. Je m'abuse bien sur FF15 pour le moment perso. Ah mais personnellement j'aime beaucoup FF15. Tiens, je l'aurais pas fait autant de fois, ça c'est sûr. Mais personnellement j'aime bien FF15. Comme... En fait c'est... Ah bah... Chocobo est passé level 2. Le Chocobo pourra à présent aider Noctis lors d'un combat, mais selon son humeur, il peut ne pas se montrer. Et on a appris Choco Fuite. Y'en a combien comme ça? Assez parlé, on passe à l'action. Non, on passe à la fuite. Bon, ça, on va pas le ramasser, on s'en fout. Mais ciao, la tortue. J'ai envie de dire, c'est comme tous les... À chaque fois qu'il y a un nouveau FF qui sort, t'as toujours qui est en mode... Ouais, mais celui qui était avant, il était quand même meilleur. Et puis t'as toujours ceux qui avaient fait... Ouais, non, voyez, oui, sympa. Moi, je fais partie de ceux qui sont en mode, je sais pertinemment que chaque FF est totalement différent les uns... sont pas totalement différents les uns des autres. Donc, j'attends jamais rien de précis dans FF. Juste de faire son RPG, hein, comme tous les FF. D'avoir son côté RPG, que ce soit RPG tactique, RPG action, RPG peu importe. Merci à toi, Chocobo. Voilà, pour le coup, de toute façon, vous le savez, hein, je suis bon public en fait. Du moment que le jeu est pas injouable, buggy as fuck et compagnie, je suis pas contre l'idée d'avoir un scénario qui s'aborde différemment. Un jeu qui apporte son scénario de manière différente, on va dire ça comme ça. Allons-y ensemble. Regarde ça.
Lâche aujourd'hui. C'est pas moi. Regarde ce que tu fais. Oh, je suis désolé. Je suis désolé, Wilson. Enfin, prompto. Prompto. J'attendais que ça. Ouais, du coup, on va avoir les touches chiantes. Je sais. J'avoue que tu m'apprécies. Je sais. Prompto, je suis là. Ah, ça y est, on a Prompto qui va pouvoir commencer à faire des attaques de zone. C'est bizarre. Oh, vas-y, allez. Oh, il y a un crapaud en plus. Oh, mille de Dieu. Il est combien, le crapaud? 27. Ouais, non, mais les gars... Chassons notre guinée. Ah! Oh, pfff. Prompto! Voilà! C'est compliqué. Je t'aurai! Entre les Magitech, les mobs level qui ont 15 levels de plus. Adieu! Vas-y. Excusez-moi, je regarde le chat juste après, hein, m'en veuillez pas. Qu'est-ce que je fais? Ah, j'ai pas eu de combo, tiens. Aïe! Oh, le midlife. Raté. Tu m'as appelé? Fini de rigoler. Fini de jouer. C'est parti. Ok. Allez, on continue sur les attaques de... Non, les attaques de dos, c'était bien. Encore un peu. Et on est bon. Pas maintenant. T'as plus qu'à rapporter ça. Bon, essayons de nous dépêcher. Ça, c'est fait. Et Gnis qui apprend le ragoût de Garou là. Une nouvelle recette. Ah, j'ai hâte d'y goûter. Le steak de crapaud également. C'est bien ça. Deux recettes en un combat. Qu'a duré 10 minutes. Je crois que le fait qu'on ait entendu beaucoup de gens qui ont gueulé sur FF15, c'est parce que le dernier en date, jeu solo, le 13, les critiques sur internet étaient quand même vachement moins fréquentes, alors que l'univers est vachement très, vraiment très particulier. Et vu que tout le monde donne son avis, Absorb Color of World, bah voilà. Oui, non, c'est vrai. Et puis, de toute façon, j'ai envie de dire que, comme pour tout... Oh, cette musique. Comme pour tout, ce que t'entends le plus, c'est les gens qui gueulent. Hein. J'ai envie de dire donc, bon. En douceur. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc ça, c'est à ramener. Ça, c'est tout plein au sud, c'est loin. Ça, c'est plein à l'ouest, c'est loin. Ça, c'est chiant. Et ça, on verra plus tard. Bon, bah du coup, on va aller chercher la voiture. C'est que c'est vachement plus de... Ça fait vachement plus de bruit, les gens qui gueulent, mais même s'ils sont peu... Bah, c'est ça, ouais. C'est bien le problème. Bon, bah on va chercher la voiture. On va chercher la voiture. Par contre, j'avoue que c'est un truc que j'ai RT tout à l'heure. Pour une fois qu'on entend les gens qui ne gueulent pas, je veux parler de Anthem. Pour une fois qu'on parle justement des gens... Ulysse, combien il y a d'armes royales? Autant que de rois d'antan. Mais toutes ne sont pas forcément intactes.
Une vraie chasse au trésor. Ouais, ça faisait plaisir, mais grave. Donc pour ceux qui ne savent pas, Anthem, qui a été un fiasco lors de sa sortie, les studios, donc dont EA, étaient en mode, ben, on va revoir notre copie et on va faire Anthem 2.0, quoi, en gros. Et ça fait un moment qu'on n'en a pas entendu parler, et je crois que c'était la semaine dernière, peut-être, je sais plus. On a vu passer les infos comme quoi le sort de Anthem 2.0 allait bientôt être annoncé. On va dire ça comme ça. Et depuis que ça a été... C'est fatigant d'utiliser le pouvoir des rois ? Un peu. J'ai encore plus de mal à me lever le matin. Tu pourrais essayer de te coucher plus tôt déjà. Oh, je l'ai pris pour une attaque personnelle, ça, Gladio. Et donc, oui, donc dès que ça a été dit, genre, que le sort de Anthem 2.0 allait être bientôt annoncé, il y a beaucoup de communautés de plein de jeux qui ont sur le net spontanément montré leur soutien aux devs en mode partout en fait, sur Reddit, Twitter, sur des forums et tout. J'étais sur le cul en vrai. Je n'imaginais pas que ça existait encore. T'as raison. De voir enfin des... Attends que le jeu soit sorti. Ah mais pour le coup, en fait, qui sortent ou qui sortent pas, je suis très agréablement surpris de... Merci. En fait, de la main tendue qu'il y a eu des communautés vers ce projet-là, en fait. Personnellement, le Anthem première version, je l'ai fini. C'était pas ouf, mais j'ai passé un petit moment sympa dessus, quoi. Après voilà, c'est vrai que bonjour, j'étais un peu déçu. Dites, vous êtes bien ami avec ce jeune qui a un appareil photo, là? Un appareil? Ouais, je le connais. Vous pourriez aller me prendre une photo, s'il vous plaît? Oui. Un chocobo sauvage. Il vit dans les environs. Mais ça fait un moment que je l'ai pas vu. Ça m'inquiète un peu. Ah. Ouais, pourquoi pas. Merci beaucoup. Je serais bien parti le chercher moi-même, mais je ne peux pas laisser mes bêtes seules. Merci d'avance, alors. Ça, je vous le dis, c'est des quêtes qu'on va faire. Allez photographier le chocobo sauvage. C'est des quêtes toutes cons, quêtes rapides, qui demandent pas grand-chose, mais on va donc les faire. C'est surtout que le jeu s'est violemment cassé la gueule, donc je m'attendais à tout sauf à une nouvelle attente des joueurs. Ouais, c'est ça en fait. Inoct, vous parliez de quoi, lui et toi? Bah, il veut qu'on aille prendre en photo un chocobo pour lui. Aucun problème. Je m'en charge. Ah bah, il est motivé. Un chocobo sauvage. J'espère qu'on le retrouvera vite. Attends, tu demandes à Prompto de prendre des photos de chocobo, et le mec, évidemment qu'il est au taquet. Salut Pépère. On y va. Moi, par contre, l'expérience était effroyable. C'est vrai que ouais, t'avais eu pas mal de soucis, toi. Moi, étrangement, le mec a le pire karma qui soit. J'avais pas eu de problème. Bon, si je me souviens bien, je vais pas pouvoir garder le chocobo ici. Ouais, ouais. Barre-toi, Prompto! Merci à toi, chocobo! Et on va retourner vers la zone du Behemoth qu'on a affronté. Oh, il est là! Reviens ici! Reviens! Ils sont tellement beaux, les chocobos de FF15. J'ai fait tellement de quêtes, j'ai le double de niveau de la principale en ce moment. Ah oui, c'est pas étonnant. En vrai, à partir du moment où tu farmes un minimum, tu montes très très vite en XP. Mais non, je vais m'en occuper. L'échec n'est pas une option. Hey, t'as appris à faire ça, Nox. Comme sur les roulettes. Mais j'ai envie de dire que tu vas voir quand tu vas vouloir... Enfin, si tu veux aller tâter le contenu endgame. Ah, le pack SIG, il va être violent. Hein. Allez, on rentre là-dedans.
façon, il n'y a plus de behemoth, on l'a défoncé. Bon, il m'a un peu éclaté quand même, hein, mais bon. Faut pas le dire. Il est là encore. Viens, mon pépère. Mais oui, clairement, j'ai envie de dire, le pacing, pour la quête principale, c'est tellement pas un souci. C'est vraiment pas un problème. Non mais maintenant, moi, tout ce que j'attends... Sauvage, c'est par ici ? Oui, ça devrait. Cherchons par là. Tout ce que j'attends maintenant, c'est FF16. Hein. Je t'ai eu ! Voilà ! Allez, à moi de jouer ! Quand même vachement docile hein, pour un chocobo sauvage. Ah, ah. Oh oui, garde la photo. Voilà une mission rondement menée. T'es sûr que t'as bien cadré, là ? Non mais tu me prends pour un débutant ! T'en as pris pour toi aussi ? Tu me prends pour un débutant ? Allez, on peut se barrer. Mais voilà, il y a quelques quêtes comme ça, je sais plus exactement combien. Oui, ce qui nous demande d'aller chercher des chocobos sauvages, de les prendre en photo, tout simplement. Et de lui ramener la photo pour voir que. Pour lui montrer que le chocobo en question va bien. Et on a des petites récompenses. Somme toute pas indispensable, donc obligatoire. Ah. Et du coup, en termes de quête principale, t'en es où, Roadstar, pour simple curiosité? C'était là, hein. Je viens de récupérer. Ah oui, d'accord, ok. Je vois. Je vois. Je suis dans les level 40 à peu près, là je vais m'amuser à faire quelques chasses. Yes. Donc oui, t'as bien farmé, ouais. Enfin, t'as bien farmé. T'as bien pexé. Parce que comme je dis, au début ça va en termes de farm, c'est pas trop chiant à faire. Tu sais, c'est arrivé vers les derniers... Enfin, à l'époque c'était les derniers niveaux, level 99, hein, évidemment. 99-100. C'était les derniers niveaux, ouais, c'était très chiant à le taper. Fallait emmagasiner beaucoup d'XP, puis aller dormir à un certain endroit bien précis pour multiplier l'XP par 3. C'est chiant. Merci. Allez. Sympa la balade. Dites-moi, qu'est-ce qui vous intéresse ? Bah ta photo, non, oui, c'est un non. Un petit casse-croûte avant de partir. Bon, tant qu'à être, on peut mettre à jour vite fait quelque chose, oui, non. Ouais, revenez, c'est bon. Quand vous voulez. Voilà. Quête. Oh, merci. Oh, superbe cliché. Si ça vous va comme ça. Merci, je suis rassuré. Elle a l'air d'aller bien. Ah, d'accord, c'est une femelle alors. Je connais bien ces animaux. Je vois tout de suite comment ils vont. Enfin bref, je vous donne ceci en récompense. J'espère que ça vous servira pour votre chocobo. Ah oui, en plus, bah, j'ai envie de dire, voilà, en plus c'est de l'XP complètement cadeau quoi. Va à un endroit, une graine de Xelfatol, une graine de Doma, une graine de Mamouk. Les chocobos n'attendaient que vous, messieurs. Ah là, les gens de FF14, là. Hein. Ah là, ça se réveille, hein. Du coup, à quoi nous servent ces graines? Eh bien, tout simplement, à débloquer des couleurs de chocobo. Oh. Ah, chocobo rouge, hein, je suis désolé, c'est obligatoire. Donc, chocobo vert,
Chocobo un peu plus vert. Chocobo bleu ciel. Un peu plus bleu ciel. Le chocobo rouge. Ou rouge puissant. Le rouge qu'il est fort. Non mais rouge c'est un traumatisme. Hein. Mais c'est un chocobo rouge. Moi je le vis bien, je l'ai pas fait. Enfin si, j'ai défoncé la gueule, mais... Non, au Gladio, on va lui mettre un chocobo blanc. Ignis, un chocobo vert. Alors par contre, pour les couleurs, c'est chiant. Mais là, je préfère celui-là. Voilà. Et techniquement, non pas encore. J'ai juste fait des quêtes annexes en vrai. Je pense que, comme j'ai pas beaucoup campé, surtout utilisé l'hôtel, j'ai bien avancé rapidement. Ah oui, oui. Oui, du coup, oui. On a quasi choisi les mêmes couleurs avec ce set. Mais c'est surtout le chocobo rouge, quoi. Moi, je. Depuis que je suis gamin, le chocobo rouge, c'est. Voilà, je. D'ailleurs. Expérience sociale. Tentons de socialiser. Ah, tu veux pas? Ah, je peux peut-être pas socialiser parce qu'il y a le mien. Peut-être. Bon, c'est quoi l'autre quête? Oh, c'est vous. Qu'est-ce qui se passe? On m'a parlé d'un. Est-ce que je. Ok. Des photos, bla bla bla. Bon, déjà trouvé le chocobo, évidemment. Mais on va voir. Il y est mon chocobo là ou pas? Non, il y est pas. On va y en voir. Ah non. Oh. Noct, regarde un peu. C'est quoi? Où ça? Ah! Non, ok, ça. Tiens, tu fais une belle photo? Bien vu. Je prends ça en photo. Attention, séquence photo. Oh, la lumière est superbe. Ouais, alors sous la pluie, mon gars, je suis pas certain que... Enfin, bref. Perso, je suis plus chocobo noir, mais c'est à cause de chocobo style. Ah, oui. Hey, Noct, jette un coup d'œil. Quoi donc? Ben, j'avoue que j'ai deux couleurs de chocobo où je suis juste extrêmement fan. Aliment pour chocobo, formule perte de poids. C'est quoi ça? Ça a l'air gras. C'est de la nourriture pour gros chocobo. Oh. Les deux couleurs de chocobo que je surkiffe, c'est chocobo noir, chocobo rouge. Chocobo noir, à cause de FF7. Ceux qui y ont joué, vous savez pourquoi. Alors c'était où la quête? Merci pour le chocobo. C'est un peu plus au sud, donc on verra après. Donc ouais, là on va repartir avec la voiture. On va repartir avec la voiture. Il a parlé d'un animal affaibli. Une simple photo a suffi à le rassurer. D'un coup d'œil, il reconnaît un animal en bonne santé. On voit l'expert. Ah, ces chocobos ont de la chance d'avoir un gardien si gentil. Tu veux qu'on te laisse là, Propto, si jamais? Non, pas conduite automatique. Ouais, quoique. Non, pas conduite automatique, je vais y aller tranquillement, moi-même. Laissez-moi conduire. Et les sacs de course? Je les ai rangés. Alors. Ah, il y avait une autre quête? Bon, on verra après. On verra après. Chocobo noir qui s'appelle Euro, via comme je te booste la durée de vie du jeu, du vaillard, fade et intelligente. Ouais, mais non, c'est. Alors, c'est pas spécialement pour le chocobo que tu... noir que tu peux récupérer. Que moi, j'ai eu un gros faible pour le chocobo noir. C'est pour le chocobo noir que tu peux affronter à la course. Ah, il m'a mis tellement de ses branlés, Michel. Il m'a défoncé. Alors par contre, j'aimerais bien... Mais... Il n'y a pas moyen d'avoir... Bon, tant pis, on va faire... Mais de toute façon, la quête des chocobos de FF7, pour moi, ça reste une des meilleures quêtes de chocobos qu'il y ait pu y avoir, tout Final Fantasy confondu. Très clairement. C'est juste un gros plaisir. Ah oui, par contre, il va faire nuit.
C'est très chiant, ça. Bon, on arrive à... Ouais, au pire, on va continuer tout droit jusqu'à... Jusqu'à l'aire de repos. Alors, ça peut être terrible, hein. Ça peut être terrible, la route de nuit. Et on va peut-être devoir se barrer. Ça, c'est juste un parking, on s'en fout. Va-t-on être un peu chanceux? J'y crois pas trop, mais bon. Donc ça y est, là, le jeu considère qu'il fait nuit. On est passé dans l'heure de nuit, donc à 20h. Stéphane, annexe, mais tu t'y mettais facilement, ça augmentait la durée de vie, donc c'était bien fait. Ah oui, donc clairement, après, comme je dis, pour moi, la meilleure des quêtes chocobo qu'on ait pu avoir, c'est celle de FF7. Et ça te débloquait tellement de trucs. Pas seulement le fait d'avoir un chocobo, mais tu débloquais tellement de trucs en le faisant que... Bon, ça passe. On n'a rien vu, on n'a rien croisé. C'est plutôt bien. Je dors mieux dans un endroit civilisé. Perso, moi j'aime bien le camping. Mais c'est sûr qu'on est plus en sécurité ici. T'as pas fait. Bon, faudra qu'on refasse le plein, mais d'abord. Oh, on va être en retard. Bienvenue au Crow's Nest. Qu'est-ce que je vous sers? Alors déjà, les sanctuaires, merci. Les parkings, merci. Les villes, merci. Les récoltes, merci. Et c'est bon. Faites-moi signe quand vous serez prêt. Je m'en fous de ton saumon, laisse-moi tranquille. C'est pas du menu fretin, cela. Des nécromanciens. Contrairement à la quête de la Triforce de Wind Waker, notamment la partie pêche qui est maladroite dans son exécution est obligatoire. Oui. Je suis totalement d'accord. Merci. N'hésitez pas à revenir nous voir. Je pense que je vais prendre un verre. J'adore Wind Waker, hein, clairement. Barrez-vous! J'adore Wind Waker. Mais sa quête Triforce, pour moi, c'est très mal foutu. Alors, merci pour le chocobo, c'est un peu plus au sud. Qu'est-ce qu'on fait? Je dors ici ou je dors pour Pexé et Gnis? Ah, je vais dormir ici au pire. On va dormir ici. Un peu de repos. Personne n'aime la quête de la friterie France. Ah, y'a bien des mazos, hein! Tu vois, qu'est-ce que je disais? Bon, je passe même pas un level, mais bon. C'est surtout pour faire passer la nuit. Oh, j'adore avec un petit chocobo derrière. Enfin, ça mange avec un petit chocobo derrière. Je veux! Non. Non. T'as appuyé pile au bon moment. Non. Waouh, elle est cool celle-là. C'est vrai. Je l'aime aussi. J'avoue, elle est sympa. Bon, en train de galérer à monter sur un chocobo. Ah, le fameux. J'adore les photos où on est tous ensemble. Elle est cool. Elle est très cool. Je la garde. What? C'était quoi ce bruit? C'était quoi ce bruit? Il y a eu un gre-gre... Ouais, on est d'accord, il y a eu un... Il y a rien de chelou sur la photo? Oh, ce butu-butu! Par contre, on va mettre de l'essence, hein. Alors, conduite manuelle toujours, et on va repartir vers le sud. Allons-y. Que je vois, donc demi-tour, et ce sera la première à droite, et ensuite tout droit.
Ici, on reviendra plus tard dans les hangars là. Mais je sais plus à quel chapitre c'est qu'on pourra le faire. Hé, hey, Noct, dis, y a pas un truc que tu voudrais que je prenne en photo? Rien de particulier, fais-toi plaisir. J'en sais rien, moi. T'as qu'à prendre ce que tu veux. Ok. Je vais me débrouiller. Tanto va continuer à prendre des photos de tout le monde de façon égale. En gros, ça, c'est si on veut qu'ils prennent plus de photos de tel ou tel perso. Mais bon, là... fait ce qu'il veut, ça ira très bien. J'aime tellement cette musique. Ça se voit que ça a monté, la Regalia elle a du mal. Ça fout mal pour la voiture royale quand même. Elle a été bon, un peu stylisée version bling chocobo, mais ça la fout mal quand même. Hein. C'est par ici, je crois. Allez, on se dépêche de le trouver. Ouais, allons vite à son secours. Oui, on se gare comme des cons, ouais. Je vois pas le problème. Allez hop. Noct, au-dessus de nous! Ils sont là! Merci. Et pas me laisser tranquille, vous êtes où? Bah. Faites faute de ma gueule, Prompto, en fait? Bah, en fait, Prompto se fout de ma gueule, très bien. Et il se foutait pas de ma gueule! Non. Oula oula, ça galère hein, dites-moi. Ok. Désolé les potes. Mais là, ils étaient tous paqués, fallait en profiter. On s'en sort facile. Prêt pour la baston suivante. Mon petit pépère, il est là. Oh, ça doit être lui qu'on cherche. Noct, tu as apporté de quoi soigner le chocobo? Prends une potion. Hop. Oh, il va mieux. Fais attention à toi, hein. Nice. On dit pas de mal de Tigle, ça lui... Ah si, Tigle c'est de la merde. S'il s'était fait attaquer dans cet état, il aurait été mal. Oh, heureusement qu'on est arrivé à temps. On va avoir de bonnes nouvelles à ramener. Ouais, je suis super content. J'ai eu très peur. Par contre, cette zone lagament, hein. Heureusement qu'ils ont enlevé le swap de skid, parce que sinon, qu'est-ce que ce serait, hein. En avant. On y va? Non. 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 Oui. Oh, des bébêtes. Thank you.
C'est par où du coup? C'est globalement toujours tout droit. Ouais, aujourd'hui on commence le live en mode tranquille, hein, je l'avais annoncé de toute façon. Petite quête de chocobo, tout ça, on se détend, on est bien, on commence la semaine tranquillement. Personnalité, j'ai hâte, personne s'est servi. Oui, bah c'est ça, donc en ça, tu gueules, c'est ta merde. Allez go. Ah, faudrait peut-être se ravitailler en potion. Ah, une suggestion utile pour changer. Comment ça pour changer? Ah, ça n'est pas fini. Et puis il y a des petits poussins. Dites-moi alors. Ouais. Oui, je l'ai trouvé, blablabla. Désolé, je n'ai pas de véritable récompense. Mais voici tout de même un nouveau produit. Ça vous servira pour votre chocobo. Par contre, les poussins chocobo sont dégueu. Tata, c'est des poussins. Ça peut pas être dégueu, c'est des poussins. Bon, du coup, on n'a pas débloqué de nouvelles graines, mais on a débloqué le légume curiel que je vais pouvoir acheter. Tata, tata. T'es beau, toi, hein. Attention, hein. Ça recommence. Beau, toi, hein. Ça recommence. Ça recommence. T'es beau, toi, hein. Ah. Mais oui, mou, beau, oui, ce beau pépère, ça me... Oui. Un chocobo, c'est trop mimi. Bienvenue au relais de chocobo. Donc, maintenant, on peut acheter des légumes curiel qui augmente la vitesse du chocobo. Non, pas en prendre 20 quand même, pas déconner. Voilà, ça en fera 15. Ça nous servira. Merci beaucoup de venir chez nous. Un plaisir, une nouvelle quête. Qu'est-ce que c'est? Salut. Désolé pour cette question soudaine, mais vous ne trouvez pas que notre offre est un peu limitée? Un chouïa. Hein? J'aimerais ajouter des nouveautés à la carte pour changer, mais je voudrais rester dans le domaine des légumes. Si jamais vous trouvez quelque chose d'intéressant, vous pourriez me l'apporter. Ouais, d'accord. Mais vraiment, si on trouve un truc, alors. Innovation culinaire, trouver un chou à aiguille. C'est où, ça? C'est loin ou pas? C'est un peu plus loin que là où on était. Bon, on va aller faire ça, déjà. Et salut, Tina. Comment on va? T'es sûr que ça va? On va faire un mode automatique vers jamais 203. Il a bien précisé qu'il veut des légumes. Non mais ça va, je peux en apporter quand même. Alors, je vais m'occuper de goûter. T'es pépé chocobo, oui! C'est surtout que comme ça je peux me servir à boire pendant que Igni s'est conduit. Ah, ça va bien mieux. J'ai plus le mal de tête de la journée. Ah, allez, allez, c'est chiant. Enfin, c'est tant mieux que tu l'aies plus, quoi. Mais c'est chiant les balles de tête de journée. Ouais, le mien dernier remonte à pas si longtemps que ça. Non. Non. Ah. Le
thème du manga Gazette. Barre-toi, toi. Oh. Non, c'est celle-là. On va voir si certains réagissent. Parce que du coup, vous voyez pas, vous, le don des musiques. Mais on va voir si ça réagit. Ça y est, Vlaki lance un blind test. Il va se garer là ou pas? Non, ça va. Weight of the world. Oui, ils l'ont mise! C'est trop bien! Pour l'instant, je sais pas s'il y en a d'autres, mais on a deux musiques de Nier. On a besoin d'exercice. Et la suite au prochain épisode. C'est la plus jolie. Ah non mais... Wait of the World quoi, elle est superbe. Du coup le thème qu'ils ont repris pour faire la musique du Red Nier. En tout cas première partie. Et... Tellement cool cette musique. Bon! C'est parti pour la chasse aux joyaux! T'as de l'espoir si t'espères trouver des joyaux. Les pierres précieuses se taillent pas toutes seules. Oh, ça va, Michel, hein. Calme-toi. Là-dessus, je vais vous laisser. Bonne fin de soirée et de live à tous. Ça marche, Joker! Merci à toi d'être passé. La bonne fin de soirée, la bonne nuit, et au plaisir! J'ai envie de dire potentiellement à mercredi quoi. Oh et cette musique. Oh les decks assassines. Ainsi qu'un leurre de choco. Un leurre choco. Un leurre. Pour pêcher. Des poissons. Qui est en forme de chocobo. Ben, c'est le leurre en forme de chocobo, c'est pas le poisson. Hein. Faisiez pas les cons. Là, il n'y a rien... Ah, là-bas, peut-être. Ah oui, là-bas. Clairement, là-bas. Mais cette version... J'ai trouvé. Beau joyau. Ouais. C'est bon, j'ai compris. C'est pas drôle. Allez, on en cherche une autre. Un poisson chocobo. C'est un poisson à plumes. Je kiffe tellement cette version, je la kiffe tellement plus que l'autre. Il fait aussi quoi? Il en reste plus qu'une à trouver. Il fait quoi mais sous l'eau du coup ça fait... Faut pas me lancer aussi là-dessus. Nox, tu vois ça comment? On a promis. Tu parles d'un plan. Attends, j'attendais que ça. De quel côté? Oh, je suis désolé. Par ici! T'es vraiment trop fort! Entendu! Lui, il va bouffer, mais pour tous les autres!
Chewink. Oh. Yes. Remarquable. Pile poil. Prends-toi. Tu m'as appelé. Pas de quoi s'inquiéter. Yeah, Joe, vas-y. Trop lent. Bien vu, Katio. C'est bon. C'est parti. C'est bon, j'y vais. Ah, je pensais qu'il allait toucher les autres aussi. Dommage. Aujourd'hui. C'est... Hé, Ignis, qu'est-ce que je fais? Ça va? Ouais. Pas de problème? Rien qui mérite que tu t'inquiètes. Bon, eh ben continuons comme ça alors. Oh, c'est trop bon! Tranquille. Couché! Ok! Terminer ce combat plus vite. Ça va. Michel, ça faisait 8 ans qu'il était à terre, bah il bouffe encore à l'heure où je vous parle. Hein. Ouais, j'aime bien faire ça. C'est le combo ultra puissant qui fait basse dégâts sur un mec qui... Et généralement, tu le lances sur un mec qui est déjà à moitié mort. Bingo! Ça en fait 3. Le compte y est. Allez, on rentre. Ok, ça, je pourrais les rapporter plus tard. Ça, c'est à rapporter. Ça, je ferai un TP. Hein. Là, je vous le dis clairement, j'irai TP. Sans aucun respect. Et puis voilà. Bon, ben on va retourner à la tuture. Et direction la quête suivante. Noct, au-dessus de nous. Ils sont là. Merci. Ouais, ben, hein, ils resteront là. Hein. Moi, je me casse. Hein. Oubliez-moi. Ouais. Cette musique. Mais cette musique! Alors, conduite automatique vers un bon chasseur. Bon, vous êtes tous prêts? Ouais, on y va? Et reprenons notre musique. Ouais, je chante White of the World du coup. Bah ouais, non mais moi je sais à deux doigts. Hein. En tout cas, je la fredonne, ça c'est sûr. Mais on chante pas avec les doigts. Mais on fait ce qu'on veut avec les doigts. Hein? T'as 2 km. Link, oui, y'a problème? Qu'est-ce qui se passe? Ça, vous êtes habitué à ça depuis le temps. Mais oui, non, mais ils font genre les choquer là, mais.
Tout de suite là, mon dieu, il a parlé de doigts, non mais oui, non mais clairement. Après vous, faites ce que vous voulez avec vos doigts, hein. Moi ça me regarde pas, hein, mais bon. Moi si je veux chanter avec mes doigts, ben je chante avec mes doigts. Non mais... C'est-à-dire... Ah oui. T'inquiète-toi, je reviens. Je reviens dans plusieurs niveaux. Longtemps, plein. Plus tard. Qu'est-ce qu'il y a, Prompto ? C'est le disque de Kotes. Dinoct ? Si on prenait une photo avec le météore ? Carrément. Ouais, bonne idée. Ok, et ben on y va. Ah, mais t'es chiant, faut faire demi-tour. Tu voulais pas me le dire avant ? Ah, oui. Du coup, je me demande, est-ce qu'on va avoir assez d'essence ? Ça, ça va être la vraie question. Bon, faut qu'on y arrive avant 20h, parce que de nuit, c'est chiant, ça sert à rien. C'est 17h, bon, je sais, mais le temps passe vite, quand même. Bien, quel est le programme ? Faire une photo, apparemment. Mais ouais, avec le petit coucher de soleil, ça peut être sympa, hein, faut y aller, là. Tiens, tu fais une belle photo ? Bien vu ! Je prends ça en photo. C'est toi qui m'as dit d'y aller là ! Dis pas bien vu ! Allez, un petit clic ! Mais elle est sympa. Prompto nous arrêtera comme ça de temps en temps pour prendre des photos. Oh, la lumière est superbe. C'est un peu dispé gratos, ça se prend. Alors par contre j'ai sauté pour descendre, comment je remonte? Où sont les escaliers? Oh, vous êtes chiant. Ma voiture est juste... Oh. Oh yes. Alors, nous disions donc... Bon, vous êtes tous prêts? Ouais. Ah, j'ai réussi à choper le menu de la Régalia sans être à côté. Voilà. Quoi? Non, mais c'est chiant, mais... Non, mais... Ah. Vous êtes relou, après il va faire nuit. Ah, mais... Bande de relous! Tiens, bouffez tous! Ah! Raté! T'es nul! Raté. Voilà, là c'est... Ouais. Attaque spéciale de Prompto. Par contre, parez-vous, ça va péter. T'es sérieux là? Ça aurait pu être pire. Dans ce cas, je m'en veux pas, je fais retour voiture et basta. Ouais, mais là, elle était à côté et tout. Je voulais voir si je pouvais le gruger et du coup, on peut. Donc, du coup, on disait, faites mes tours. Vous êtes tous prêts? Ouais. Ok, on y va. J'ai jamais vu le robot. Ah, ouais, ce. Yes. Bon, j'allais dire c'est assez rare, bon ça arrive, mais c'est que y a plus souvent où tu l'as pas. Ce genre de robot, tu l'as surtout quand tu te fais arrêter sur la route comme ça. Crasse, ce coucher de soleil. C'est lumière et tout là. Oh les Ignis, t'avais le temps d'avancer là.
Non, ça non. Ah. Cette version qui... Ouais, vous vous lisez bien là, hein. Cette version qui n'a aucun sens. On va marcher en pleine nature ? Ça fait du bien de se retrouver en pleine nature. Un peu trop joyeux, Gladio. Pour l'instant, ça va. Ah si, mais très vite fait. Ouais, non, c'est le cas. C'est vraiment très vite fait. Et... Pour moi, elle fait partie des pires versions de la musique. Je compte évidemment pas Jacqueline Okazu, là. Hein ? Parce que ça, c'est une hérésie, ça. Fais attention. Oh, il va bouffer lui. Hey. C'est bon. Ouais, il y a 5-6 coups en trop en fait. Yes. Remarquable. Pile poil. Ok. C'est un futur repas. Ça. Oh, t'as une nouvelle recette ? Non, je vais y réfléchir. Ouh, on a pété une défense, bien. Finissons-en. Ignis, soyons précis. Je trouve tellement stylé ces attaques. Merci. Alors ça, c'est un coup à devenir célèbre. Tu viens d'entrer dans l'histoire. Allez, la voilà. Blague, on se casse. Il faut qu'on la rapporte. Bah elle est pas mauvaise, elle est juste hors sujet. Normalement cette musique, dès les premières notes... tu sais de quoi il s'agit, peu importe le FF. Oui, je suis complètement d'accord. Je suis juste complètement d'accord, c'est... Cette version, je ne la comprends pas. D'où le fait que je dis que c'est une des pires, des pires versions. C'est pas une mauvaise version, mauvaise version, c'est que tu ne reconnais pas le thème original d'où il est tiré. D'où elle est tirée, du coup, bah... Ça va être très chiant, ça. Bon, au pire, on va aller camper, là. On va aller camper. Dites, vous trouvez pas qu'il fait super chaud par ici ? Ouais, je pensais justement la même chose. La hausse de température est probablement due à l'éclat astral. Il n'est pas loin. Hey, oh, prompto, on se calme. Hein. Merci à toi, Chocobo. On s'arrête là pour aujourd'hui. Allez. Ok. C'est bon, je monte la tente. Alors, qu'est-ce que... Du steak de crapaud. Sauter du... Ah non, putain, j'avais compris. J'avais cru lire sauter de Jésier. J'étais en mode... Oh ! Non, sauter de guerrier. Ça a l'air sympa, ça. Allez, go. Puis, légumes curiels. Ouais. Ah, j'avais pas faim, mais là... Voilà. Moi, tout le monde est level 17. C'est très bien. Mais Skipex, pas mal. Avec qui...
qu'ils aillent se faire sauter des nouilles avec leur repas à la con là. Texture à liste de mort. Ah non mais clairement, c'est quoi ça? Alors, vu la couleur, je dirais que ça doit être au moment où j'ai fait un sort de glace. Mais... Oh, ah bah tiens! Ça y est! Et y'a personne qui réagit! Moi bon, je la récupère, mais bon. Ça y est. Au moins, sur cette partie, on l'aura vu une fois. On l'aura vu au moins une fois. Lara qui s'est encore gourée de jeu. Oh. Non, rien de spécial. Rien de spécial. Oh. Je prends. La pose parfaite. Arrête. Oh ouais, ça c'est sympa, mais je vois pas ce... Bref. Ouh. Le beau gosse. Bah ça c'est chiant. J'ai l'impression que tu prends beaucoup de selfies quand même. Il faut bien des photos de moi aussi. Mec, c'est le premier selfie qu'on voit. C'est un des premiers selfies qu'on voit de Prompto. Et là, t'abuses quand même, y a beaucoup de selfies. Hein. Bon, allez. Je suis prêt à partir. Et vous? Non, moi j'ai encore sommeil là. Allez, avant de remonter sur le chocobo, on va refaire le plein de magie. Il y a un moment aussi, il faudra quand même que je commence à dépenser mes points de compétence. Hein. Ça, ouais, ça pourrait être utile. J'ai... Ouais, 367 points, c'est plutôt bien. Ah oui, mais je suis complètement à sec en magie, en vrai. Ah ouais, c'est la pauvreté de la magie, là. Pour l'instant... Je fais pas de mix avec des items et tout. On en fera, mais plus tard. Et le foudrier là-bas. Très bien. Bon, allez, on va claquer quelques points aussi, du coup, tant qu'à y être. Alors, améliore les stats de Noctis. Augmente les dégâts infligés par Noctis lors d'un enchaînement s'il ne subit pas lui-même de dégâts. Ouais, permet de faire une esquive sans dépenser de MP. Ça me paraît bien. Permet d'attirer temporairement l'attention de ses amis avec l'image de Noctis laissée par une éclipse. Pour l'instant, on s'en fout. Permet de gagner un peu de MP en réussissant une défense précise. Pas aérien. Ça me... Oui, ça, j'aime bien ça. On augmente les MP de Noctis de 1 par niveau. Let's go. Ça coûte cher, mais c'est pas mal. Réduit davantage le coût de MP des esquives automatiques. Oui. Maintenant. Alors, pour Prompto, lui débloquer, premier tir. Permet à Prompto de faire une attaque spéciale au début d'un combat. Augmente la jauge de commande. Let's go. Augmente les dégâts infligés par les combos. Let's go. Réflexe de Gladio permet de faire une puissante contre-attaque qui déséquilibre l'ennemi. Et Ignis Analyse permet d'analyser automatiquement la plupart des ennemis au début du combat pour découvrir leur faiblesse et leur résistance. Osef. Par contre, Vortex Vital permet à Ignis de faire une contre-attaque en absorbant les PV. Soutien d'enchaînement permet à Ignis d'infliger altération de poison aux ennemis sur lesquels Noctis enchaîne plusieurs attaques d'affilée. Ouais... On va augmenter encore un peu la puissance des combos. Et les commandes. Fendeur de lobe. Faire une puissante attaque qui inflige des dégâts importants à un ennemi. Mais ça coûte 2 segments de la jauge de commande.
Bouclier du roi permet. Met rapidement Noctis à couvert et lui permet de faire une attaque spéciale. Mouais. Fusée éclairante. Ça, je m'en fous. Mais je suis obligé de la prendre. Regroupement permet. Je m'en fous. Mais ce qui va m'intéresser sur ces branches, la branche des commandes, c'est la toute dernière de chaque branche. À savoir, permet à Gladio de dépasser la limite de combat de dégâts de ses commandes. Ainsi que. Permet de diriger Gladio pendant les combats. Permet de diriger Ignis. Dépasser la limite de dégâts des commandes de Ignis. Permet de diriger Prompto. Et dépasser la limite de dégâts en sachant que ça coûte la peau du cul. 999 points de compétence. Voilà. Augmenter la jauge de dégâts chaque fois que Noctis subit des dégâts. Pour l'instant, non. Faudra qu'on aille chercher ça, la gâchette facile, mais bon. Pour l'instant, on va débloquer le chemin qui nous permettra d'aller diriger les autres persos. Un truc qui n'était pas dispo dans le jeu de base, c'est quelque chose qui est arrivé avec le. Une fois que les 3 DLC de personnages sont sortis, donc l'épisode Gladio, épisode Ignis, épisode Prompto, pas dans cet ordre, mais voilà, on nous a amené ça. On a ajouté ça, et on va mettre Gladio pour le premier à débloquer. Puisqu'évidemment, dans l'épisode Gladio, on joue Gladio, dans l'épisode Ignis, on joue Ignis, etc., etc. Et du coup, ils ont rajouté leur gameplay dans le jeu. Et ça, c'est cool. Bah vas-y, hein, rentrons à la maison. Bon, vous êtes tous prêts? Ouais, on y va? Donc nous disions Battle on the Big Bridge. J'ai dû te demander, mais tu trouves ça vraiment bon, les bonnets ? J'ai dû le dire maintes fois, mais oui, excellent. Ah ouais, mais cette version... Il y a tout, hein, il y a le thème, il y a tout, mais... Mais bon... De toute façon, on aura l'occasion de la réentendre plus tard, hein, je le dis. Attends. Tiens, est-ce que j'ai... Ah, je l'ai pas, dommage. Mais ça, les musiques de l'épisode d'Ignis sont excellentes. Mais si on se reposait un peu. On va surtout pas oublier de faire le plein, parce que sinon ça va être terrible. Je vais d'abord rendre la quête et ensuite on fera ça. Waf waf. Merci à vous. Bla bla bla, merci, à plus. 800 points d'XP cadeau, plus l'XP qu'on a eu sur les mobs en les battant. Voilà. 10 élixirs. Ça servira tellement, mais tellement, vous n'avez pas idée à quel point. Allez, on fait le plein. Alors, est-ce que j'y pourrais pas rendre les deux là? La bouffe... ah non, ça on n'a pas encore fait. Mais la bouffe de Taka et les cailloux de Dino, ça fait quand même 2000 points d'XP plutôt gratos. Euh,
Je vais d'abord aller chez lui. On va se TP dessus. Bon, vous êtes tous prêts? Ouais. Ok, on y va. Bah, j'ai mis oui, j'ai mis non. Je me suis planté, c'est ça? Ignis, arrête-toi ici. Non, t'arrêtes pas. Mais défonce pas la voiture, Ignis. Allez, on se reprend. Ignis, c'est à toi, Dike. Y'a pas tout Dike quand même, si? Non, ça va. Heureusement, elle est solide. Donc, conduite automatique. J'ai dit non. Allez directement, oui. Ah, voilà. J'ai dû me planter, j'ai voulu appuyer trop vite, j'imagine. Donc, le petit TP, parce que flemme, sans déconner, traverser toute la map, c'est sympa. Mais au bout d'un moment, bon. Petit TP, quoi. On va faire bien assez de trajets en voiture. Si je peux en esquiver quelques-uns, je dis pas non. Hein. Surtout pour 5 gills, hein, s'il vous plaît, quoi. Bon. Non. Oh putain, faut aller à péter l'autre bout. Surtout, n'oublie pas d'acheter des médicaments. Compris. C'est... Est-ce que je peux aller avec le chocobo jusqu'au bout de du ponton? En douceur. Merci. Désolé, mon petit pote. Merci à toi, Chocobo. Désolé, mon petit pote, mais bon. On va devoir se taper le trajet, hein. C'est chiant. Ça fait du bien de plus avoir à se battre. Bienvenue à Galdina. On s'est battu, y a pas de vie. Oui, laisse-moi tranquille, je m'en fous des concours de photos. C'est pas comme si c'était le même depuis un an et demi. J'imagine que pour toi, les démons, c'est les doigts dans le nez. Oh non, ils sont plutôt coriaces. Ah, je pensais pas. Tiens, ton bijou. Celui-là, il est encore mieux que les précédents. J'ai hâte que tu reviennes me dire ce que t'en penses. Allez, 1000 points d'XP plus un bijou. Ça se prend clairement. Bracelet d'Héliodore. Trop bon, ça va. Et on va... J'ai comme un... Ah ouais? T'as besoin d'une pierre. Ah, gagné. Le courant passe bien entre nous, hein. On va dire ça, ouais. Noble pierre pour cœur sincère. Elle est où? Si, on peut la récupérer, celle-là. Un saphir brut. Oh. Non, si, on va quand même s'équiper de ce qu'il m'a filé. Augmente la force. Tac. Nous nous reverrons bien. Ah bah, on dirait qu'il t'aime bien. Pour ta générosité, du moins. Il pourrait te montrer un peu de respect. T'es pas le mieux placé pour donner des leçons. Moi, j'ai trop faim. Aïe, aïe. Quelle bonne odeur. Bon, est-ce qu'on commencerait pas un petit peu à aller vers... Bah, je vais rendre la quête de Taka et puis je pense qu'on va aller vers la quête principale. Ça me paraît pas mal. En fait, c'est surtout qu'il y a une voix que j'ai très hâte d'entendre. Très très hâte d'entendre cette voix. Parce que bon, c'est une voix qu'on connaît tous. Et c'est surtout pour ça que j'ai très envie de faire le jeu. Enfin, j'avais très envie de faire le jeu en VF. Pour
Pour ces instants où on se dit « Oh, cette voix, mon Dieu. Oh, bonheur. » Alors, conduite automatique, rendre la quête de Taka. Let's go, on se TP. Le petit TP. Ensuite, je vais me re-TP pour revenir dans la zone où on était. Et ensuite, on ira en conduite manuelle. Puisque bon, bah, le truc, c'est que tant qu'on n'est pas allé sur une zone, on ne peut pas s'y TP. Donc si là, je pars directement vers la quête principale, le jeu va me faire taper tout le chemin manuellement. C'est le paradis des maniaques dans ton genre. Oh, il y a une quête là. C'est quoi ? Oh. Alors, on fait une petite pause, mon prince ? Ouais, si on veut. T'as quelque chose à me demander ? Non, t'inquiète pas. Je voulais juste te dire bonjour. T'as beaucoup de boulot en ce moment ? Ouais, comme toujours. Mais aujourd'hui, j'ai un truc à faire. J'allais justement partir quand t'es arrivé. Quelle andouille avec cette nuit sexy ! Il paraît qu'il a vu une bouteille de lustrant très rare. Ça pourrait être pas mal pour la régalia. Alors j'ai décidé d'aller la chercher. Te fatigue pas, on va y aller nous-mêmes. Vraiment ? Ouais, après tout, c'est notre voiture. C'est vrai, mais... Bon, bah... Si ça vous dérange pas... Vous risquez d'avoir un peu de mal à la trouver, par contre. Pourquoi ? Parce que ce client ne m'a pas dit exactement où il l'avait vue. Les sons sont toujours buggés, on les entend en double. Ah mais merde, c'est chiant. Un endroit dangereux. T'as tout compris. Mais c'est génial. Tu te rends compte que Cindy était prête à faire ça pour nous? Elle est si douce. C'est quand même très chiant, what the fuck. Bon. Oh. Ah, merci. Grâce à vous, j'évite la rupture de stock. Ouais, Gladio nous a tapé une petite danse là. Ça m'est déjà arrivé de manier le couteau quand j'étais gamin pour soutirer de la nourriture aux autres. Mais j'ai toujours été assez peureux. Et depuis que j'ai rencontré Cid, mon couteau ne sort plus jamais de ma cuisine. Allez, je vous donne ça. Tout frais de mon dernier arrivage. Vous me direz ce que vous en pensez. Tiens, du coup, voyons voir. Est-ce que là, il va y avoir un. Je vais tester. Il a changé quoi cette soupe, n'est-ce pas? on va faire un test de son, vous allez me dire s'il y a un écho ou pas. Déjà si vous l'entendez. Ouh. Et si oui, est-ce qu'il y a eu un écho ou pas? Alors, il volait pour manger? Il devait vraiment être torturé par la faim. S'il était enfant, ça doit bien remonter à 30 ans, au moins. Ah, je vois, en plein pendant la guerre, alors. Ah, je me suis bien reposé. J'avais pas vu qu'il y avait encore. Ouais. Oui, voilà, tu veux... Je suis pas très... Quand c'est Marie, si vous pouviez y remédier, ça m'arrangerait. Oui, je vais te chercher tes flageolets, voilà. Ça m'a l'air impec. Ah, bon, bah très bien. Sa Majesté n'est pas dans son assiette. Il préférerait que ce soit vraiment la fin des haricots. Oh, faut pas faire le difficile, tu sais. C'est bon, là? Vous avez fini ou bien? Bon, par contre, non, si, la quête de Cindy, je vais quand même la faire. C'est quand même intéressant de pouvoir améliorer la voiture. Là, c'est qu'un lustrant, mais bon, il y aura d'autres quêtes dans le style qu'on va devoir faire. Ça me fait penser. On va la noter. Une toilette de reine. On va dormir 16h? Non, 16h, on va pas dormir. Et on va y aller à la main. En avant. Ok, on y va. Bon, très bien. Du coup, si vous avez plus le.
L'écho, c'est bien. Alors, les musiques de Tomb Raider, ça ira, merci. Hein, je... What? C'est là que ça commence à me faire peur. What? Ah ouais, il va falloir aller jusque là, puis revenir. On ira en chocobo. Je m'attendais à pire avec le drop, mais elle est chelou comme musique. Ouais, elle est très chelou, hein, je suis assez d'accord. Oh, on va là. On descend là. De nuit. Enfin, de bientôt nuit. D'accord, on va là. Je crois qu'on peut pas y aller avec les chocobos en plus. Vous avez entendu? Certaines destinations ne sont pas affichées précisément. Fouillez le périmètre. Noct, au-dessus de nous. Ils sont là. Merci. Il est où Jean-Michel? Genre ouais, j'ai besoin d'aide, tout ça. Bah alors, on est nul. Tiens, prends une potion. Génial! On a été parfait! 300 points d'XP pour une potion, on va dire que ça ira. Et 500 gills. Donc largement de quoi racheter des potions. Donc, on va là-bas. Et comme je dis, j'imagine, je ne peux pas évidemment appeler le chocobo. C'est pas ce que je voulais. Il s'est éclairé d'un coup, mais... C'est pas là que Cindy a dit qu'on trouverait le lustrant ? Oui. Voyons ça de plus près. C'est fou comme je me souviens absolument pas du tout de ça. Débarrassons-nous de ça. Très bien. Inès, c'est quoi notre stratégie? Je sais pas trop comment. Non, t'as une idée? On fonce dans le tas. Tu vas m'aider. T'as la pêche aujourd'hui. Évidemment, ne nous éternisons pas. On est proche de la perfection, non? Oui, très proche. 3 points d'XP. Wouhou! Je crois que c'était un peu plus, genre, peut-être 4, 5. Ouais, ça doit être 5 vu qu'on était un truc qui finit en 5. 5 points d'XP. Bon, donc c'est dans cette zone et bah disons que ça va être là, j'imagine. C'est ça? Ça a l'air vieux. Ah ouais, lustrant aéro. Tu connaissais toi? Non, pas du tout. C'est pas étonnant, si ça fait 30 ans qu'il n'est plus en vente. Le bio il n'est pas encore né. Merci. Défoncé. C'est
capté. Ah, c'est que j'avais oublié. Même pas eu le temps de faire quoi que ce soit, j'avais un coup et tout le reste c'était dans le vent. Mais j'avais oublié. Pas de quartier ! Arrête un peu de te la jouer ! Je peux parler ? Fini de rigoler ! Donc en gros, Gladio, comment il marche ? Vous voyez que à gauche, il y a une jauge de dégâts qui augmente en fonction, si je me souviens bien, des coups donnés, je suis même plus sûr. Ah oui, non, voilà, c'est en gros, on remplit la barre de compétences quand on le fait attaquer, et ensuite on peut lancer des attaques de plus en plus puissantes. Mais il me semble, ouais, qu'il y a un truc genre, si c'est pas aux ennemis tués, mais genre coup donné ou je sais plus, pour augmenter son pourcentage de dégâts bonus. Bon, 19h, on va rentrer avec la nuit. Je crève de chaud. Ça va t'accord enlever ta veste. Non, je perds des stats si je l'enlève. Hé, hey, Nob, en haut. Ouais, bon, on va partir avant. Hein. En avant, on y va? En arrière. On descend là. Non, non, on descend pas, on descend pas. Putain. On a besoin d'exercice. Noct. Conduire la nuit est très dangereux. Nous ferions mieux de retourner en ville. Oui, ben j'aimerais bien. Bon, alors je prends le volant dans ce cas-là. Comme tu voudras. En tout cas, essaie de ne pas faire de folie. Allez, allons-y. Ok, on y va. Allez. Oh, eh merde. Quoi, ce, ce serait des démons. Quoi? D'où ils sortent? Mais on s'en fout de ça. Faut juste les éviter. Ouais, je suis d'accord. Traînons pas ici. Ouais, mais je peux pas conduire si... Je peux pas continuer la route si je les tue pas. C'est pas le moment. C'est le moment de se concentrer. Saleté. L'échec n'est pas une option, non. Ignis, soyons précis. Là, je sais. Bien. Quel est le programme? T'as vu ça? Yes! Ignis! Soit! Ok! Combo parfait! Très bien! On est proche de la perfection, non? Oui, très proche. Très bien, très bien! Oui, je sais que la nuit c'est dangereux! Rien.
Ouais. Gladio, quand il y a des mobs en tas, c'est tellement cool. Nocte, ça ne te pose pas de problème? Il fait super sombre. Mais non, ça va, t'inquiète. Je peux quand même te remplacer. Mais pourquoi c'est un bordel de rouler la nuit? On va vraiment se battre contre ça? C'est pas reculer. C'est pas ça! Arrête de te la jouer solo! On est là, nous! On fait quoi? Je vois que dalle. L'animation qui m'a sauvé. Célèbre. Tu viens d'entrer dans l'histoire. Et du coup, Retina. Ah, oh, c'est un bordel de rentrer de nuit, mais de Dieu. C'est tellement un bordel. On y va ? Chier, hein. Excusez-moi, mais comment ça fait chier, hein. Prudence. TP aurait pas été mieux, bah je peux pas en fait. Je peux pas faire de TP. Puisque la nuit est tombée quand on était déjà à l'extérieur et bah du coup bah je
je suis obligé de rentrer de nuit parce que Ignis ne peut pas rentrer en mode automatique. Et salut Chira. C'est quoi cette musique? Bon, Miss. Ah bah tiens, d'ailleurs, toi aussi. Oh, une machine de l'Empire, cette fois? Tu ramasses tout ce que tu trouves, toi, hein? Allez, dépêche-toi. Rapporte-moi ce qu'il faut. L'arbalète à rafale, mais on verra plus tard. Une aiguille de pampa. Oui, bon, on verra plus tard, oui. Oh là! Joyeux du ciel. Oui, bah encore plus. Oui, bah oui. C'est allez. Exactement ce qu'il me fallait. À moi de jouer. Améliore-moi ça. Essaye un peu ça. Ça devrait te plaire. La motorisée niveau 2. Droit. Une amélioration. Motorisée 2, si on lui donne un joyau de verre. Ça va attendre aussi. Dis c'est donc, bon, autre chose rien à faire. C'est bon, y'a rien d'autre. Y'a rien d'autre, pardon. Salut, Bis. Génial! Voyez-vous ça? Incroyable, il n'est pas périmé. C'est un lustran spécial. Il améliore sensiblement l'aérodynamisme, ce qui permet de consommer moins d'essence. Non, tu rigoles? Non, c'est vrai! Je sais, c'est dur à croire. Mais c'est justement pour ça qu'il est devenu célèbre chez les amateurs. Non seulement il est de bonne qualité, mais en plus, il se conserve bien. Vous avez vraiment des produits exceptionnels à la capitale. Après la mise en place du mur il y a 30 ans, sa production a rapidement baissé. Et maintenant, c'est devenu une rareté. Je savais pas. Papy refusait obstinément d'aller à Insomnia. Du coup, j'en ai jamais vu que 2 ou 3 bouteilles. En tout cas, on va essayer ça, hein? Vous verrez bien si ça a vraiment de l'effet ou pas. Bon, t'auras qu'à me demander si tu veux que j'en passe une couche. On va évidemment le mettre. Consommer bois d'essence. Ça se prend. Oh, elle a une autre quête. Ça va? Vous restez encore un peu dans le coin? Ouais. T'as besoin d'aide? On peut te donner un coup de main si tu veux. Vraiment? Bah, j'ai pas mal de choses à faire, mais... Non, c'est pas la peine de vous inquiéter pour moi, vous savez. On a une sacrée dette envers toi pour la régalia. Dans ce cas-là... Échange de bons procédés. Si vous allez me chercher du minerai, je vous ferai un petit cadeau. Une tenue de reine, c'est la suite. Mais d'abord... Donner l'éclat de rouge élite. Ah bah j'en ai déjà, parfait. Impeccable. Merci beaucoup, c'est trop gentil. Vous allez faire de la concurrence aux chasseurs. Alors, voyons. Ça, c'est pour le colorant. Et ça, c'est pour la raffinerie. Oh! Faut que je passe un coup de fil à l'Estaloum. Allez, j'ai encore du boulot pour toute la nuit. Sérieusement? J'ai encore plusieurs voitures à terminer pour demain. Tiens, au fait, ta récompense. Des autocollants. C'est pour décorer la régalia. Si tu veux, je te fais ça tout de suite. Non. Mais bon, de l'XP gratos, j'embarque. Encore? T'es? Noctis? Je prends. Je peux te parler 2 minutes? Ouais. T'as besoin d'un service? Ah. Tu vas me demander à chaque fois que je t'appelle, hein. Mais t'as bien deviné. J'aimerais que vous alliez me chercher un truc. Pas de problème. J'en connais un qui sera ravi d'avoir l'occasion de t'aider. Ah bon? Qui ça? En tout cas, je compte sur vous. C'est une bouteille de revêtement de verre pour les voitures. Un chasseur était chargé de me la porter, mais malheureusement,
Il l'a oublié après avoir fait une pause. En fait, j'avais commandé ce produit exprès pour la Régalia. Si vous le retrouvez, je l'appliquerai sur la carrosserie. Ah. C'est où? On se demande qui veut aider Cindy. Bah oui. ok, c'est juste à côté de là où on était tout à l'heure. Bah de toute façon, on va dormir. Hein, parce que... Cindy, elle va devoir travailler toute la nuit. Oui, mais ça a pas l'air de l'embêter. Elle aura le plaisir d'avoir bien avancé. Elle aime vraiment les voitures. Je savais pas que les chasseurs faisaient des livraisons. Ils doivent s'arranger pour les faire en cours de mission. Ouais, c'est annexe. Et sans doute le cadet de leurs soucis. C'est sûr qu'avec tout ce qui rôde la nuit, ils pensent d'abord à sauver leur peau. Clairement. Allez, on va dormir. Je dors debout. Oh, moi aussi. Parce que de toute façon, on pourra pas repartir de nuit, donc autant voilà, hein, autant se TP. Enfin, autant dormir. Eh, 6100 points d'XP quand même. Enfin, c'est quelques niveaux. Voilà, tout le monde niveau 20, c'est pas mal. Oh, vas-y, prompto, t'es à que dalle là, t'abuses. Alors, oh, elle est sympa celle-là. Bref. 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 Mouef. Mouef. T'as appuyé pile au bon moment. Pourquoi pas? Oh! Pourquoi pas? Mouef. Mouef. Mouef, mouef, mouef. Du coup, la tuture! Salut! Yo! Avec 10, il faut arrêter de me piquer mes répliques. Qu'annonce la météo? Ciel dégagé et température en hausse. Super. Allez, demi-tour. Ah, mais j'ai pas équipé le... Bon, ouais, bon, tant pis. C'est un niveau essence, ouais, je pense. J'espère. Non, c'est quoi? Rose. Ah oui, d'accord. C'est un gros tout droit jusqu'à arriver là-bas. Hein. Histoire d'arriver à Alstor et on sera bien, les gars! Il est complètement taré, lui! Oui, oh, reste ici, Agnis. Noctis. Complètement fou, lui! Chauffard métallement! Putain, il conduit pire que moi, c'est dire. N'empêche ce thème. Pfff. Quelle version? Bah c'est la toute première version, c'était l'opening de Final Fantasy 1.
Est-ce que je tourne? Ouais, l'un dans l'autre, ça change rien de spécial. Ouais, l'original, tout à fait. Et si on se reposait un peu? Alors, Fanias. Oui, c'est moi qui dis ça. Ça vous dit du shopping? On y va. Non, moi je fais du chocobo. Non, viens ou quoi? Et je vous attends, je vous suis là. Non, c'est moi le premier! C'est moi le premier, j'ai dit! Saleté! Va dans les buissons! Wouhou! Tu t'es bien défoulé? Ouais, tu pourrais essayer toi aussi! Non, ça ira, je te remercie. J'avais justement envie de chasser! C'est quoi? Des trucs nuls, on se casse. Je crois que c'est par ici que notre chasseur a fait une pause. Alors cherchons. C'était quoi déjà? Du revêtement de verre, c'est bien ça? C'est là. Hé, hey, Nob, en haut. On se reverra. Je crois que j'ai trouvé ce qu'on cherchait. Voilà. Regardez. Bingo! Je me demande à quoi ça sert. Exactement. Avant qu'on se fasse attaquer, et on se casse. On est quasiment devenus les assistants de Cindy. Ouais, c'est cool, non? On va dire l'arbre. Pour moi, c'est un honneur. Content que ça te plaise. Et le chocobo qui passe level 3. Avec un bonus d'endurance et de vitesse. Pourquoi il veut pas sprinter? Eh hey, Pépère, pourquoi tu veux pas sprinter? Potentiellement avoir une photo de Prompto à d'autres chocobos. Merci. On se reverra. Allez, on va se TP parce que je vais te faire des allers-retours. Retour à Hammerhead. Et après ça, on dira un petit peu à la quête principale. J'ai fait absolument aucune quête principale ce soir. Ah, j'avais dit que ça allait être un live en mode détente. J'avais prévenu. De toute façon, je pense qu'on va pas trop tarder non plus à s'arrêter. Oui, je sais, c'est un live plus court que d'habitude. Mais il faut que je me lève tôt, donc 2 heures d'annexe. Ouais, totalement. Dont une bonne 45 minutes, 1 heure de quête de chocobo. Mais ouais, on va pas trop tarder puisque demain je dois me lever tôt, donc je vais pas trop abuser en termes d'heures. C'est pas trop tôt. De toute façon, cette semaine, j'ai envie de dire que ce soir, demain soir, mercredi soir, les lives dureront pas très très tard. Alors. Parce que 3 jours d'affilée, je dois me lever tôt. Alors, vous avez trouvé? Ouais. On a la bouteille. Vous êtes les meilleurs. Eh ben, c'est justement votre récompense. Ce revêtement protège la carrosserie des salissures et des rayures. C'est essentiel quand on a une belle voiture. Faut la traiter comme une reine. D'ailleurs, elle vous le rendra bien. On est mieux dans une voiture rutilante. Bon, autre quête, Dex, Choupette, ou pas? Oui, encore. Ah, mon prince. Besoin d'une course? On peut rien me cacher. Mais bon, c'est pour vous. C'est dans le but d'améliorer encore plus la Regalia. Un compresseur mécanique. Ça vous intéresse? C'est un tuyau d'un ami. Il paraît que c'est un modèle assez efficace. Son cousin l'a récupéré sur une épave. Mais personne n'en voulait, alors il l'a abandonné. Vous pourriez aller le chercher? Bon, on mettra toutes les améliorations d'un coup, je pense. C'est où?
Ah, sauf que je ne peux pas encore y aller. Parce que là, barrage, et là, barrage. Du coup, je ne peux pas encore y aller. Bon, bah tant pis. Enfin, tant pis. Ah, figure-toi que t'arrives juste au bon moment. J'ai du nouveau pour toi. Faire du tunage. Tu veux quoi? Installer des améliorations. Alors, quelle pièce tu aimerais renforcer? Donc le lustre en aéro, de la cire pour atténuer la friction de l'air sur la carrosserie, réduisant ainsi la consommation d'essence. C'est oui. Et revêtement de verre, un spray de revêtement contenant de la fibre de verre transparente. Il protège la carrosserie de la saleté. Oui. Voyons c'est voir. Tout ce que je peux te proposer actuellement. Donc le tu nouveau... veux quel autocollant? Au secours. T'as trouvé quelque chose? La Cindy Mobile. T'as trouvé quelque chose? Tu veux quel autocollant? T'as trouvé quelque chose? Tu veux quel autocollant? T'as trouvé ah, quelque chose? Tais-toi! Choisis ta teinte préférée. Je crois que je manque de matériel. Oh mon dieu. J'ai beau aimer le rouge, là c'est donc. Tu veux quelle couleur? Ouais, c'est non, hein. Choisis ta teinte préférée. Oh, c'est encore pire, à l'aide. Tu veux quelle couleur? Choisis ta teinte préférée. Tu veux quelle couleur? Noir classique, c'est cool, ouais, clairement. Sauf que je me suis planté, je voulais pas alors, faire ça. Vous survivez? Du tuning. Ce sera quoi ou choisis ta teinte préférée? C'est tout ce j'avais que envie je peux de changer un peu. Tu veux quel autocollant? T'as trouvé quelque chose? Tu veux quel autocollant? On teste des trucs, hein. Non. Non. T'as trouvé quelque chose? Tu veux quel autocollant? Tu veux quelle couleur? Ouais, du coup, ça permet de faire ça. Mais, du coup, si on se fait un petit comme ça, là, non, c'est... Non, c'est non. Rendez-moi mon chocobo doré bling. Et direction... direction de la quête principale. En conduite automatique jusqu'à... non, pas ça. Parking. En gros, bon, attendez, on va faire mieux. Je suis allé là? Ouais. Jusque là. Ah, il y a eu un jeu. Parce que j'ai pas eu la suite. On va aller jusque là en TP, ça valide les deux autres améliorations pour l'essence. Techniquement oui, parce que je les avais validés et que je suis sorti du menu. Techniquement. Au pire c'est pas grave. On verra. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas les grosses améliorations de ouf, donc au pire c'est pas très grave. Alors, conduite manuelle, direction... Ok, on y va. Direction demi-tour, en fait. Ouais, d'accord. Ouais, direction demi-tour. Ah,
Ah, traversée de meubles là-bas. C'est bon, ça ne traverse pas. Qu'est-ce que j'aime cette musique? Et les deux versions qu'on connaît, que ce soit la version FF14 en mode très lente, très, très chill et tout, je la trouve excellente. Mais la version originale, qui est celle-ci du coup, je la trouve vraiment très très cool. Thème de Matoya! Il est trop bien! Et GG Hardock pour level 44. Ça aussi, c'est une musique que je kiffe. Judgment Day. Leur tunnel, il est trop beau. Mais qu'est-ce qui nous attend au bout? J'adore comment il dit ça. Ah, prompto, le mec toujours au taquet, peu importe ce qu'il fait. Oh, oh. Elle est énorme cette ville. J'avoue que la vie de citadin, ça me manquait un peu. Hein? Un téléphérique? Étonnant. Je me demande où il peut bien aller. Il fait super chaud ici. Ce serait bien de trouver un endroit climatisé. Ouais. Dites, ce serait possible d'avoir une jolie chambre cette nuit? Oui, je pense que nous devrions trouver un établissement hôtelier digne de ce nom ici. Avant d'aller chercher un établissement digne de ce nom, allons faire bien plus important que ça. Pas mettre de l'essence, parce que ça, c'est... problème banal. Non, moi ce que je veux, c'est aller ici. Bienvenue. Et acheter... ça... souvenir de FF14 partie 1 et partie 2. Oui, des musiques de FF14. Merci à vous. J'en veux. Merci bien. Ce qu'on va faire, parce que ça fait un petit bail, etc. Juste dans le doute, hein, au cas où. Voilà. À pas sauvegarder tout le live. On crève de chaud. Et avant de faire quoi que ce soit, j'avoue que je m'en souviens pas du tout. Qu'est-ce qu'on a comme musique ici? Enfin, qu'est-ce qu'on a comme musique de FF14? C'est vraiment étonnant. Les gens du coin sont très ouverts. Ouais. Tout le monde te dit bonjour ici. C'est un peu déstabilisant au début. Tu m'étonnes. On se fait plus remarquer que chez nous. C'est marrant quand même. Oh.
Oh. Ouais. Ah. C'est à côté Limsa, ça, si je me souviens bien. Combat. Pas une des musiques de nuit, ça. Je valide. Alors là, j'avoue que ça allait me dire rien. Ah si! Et pour l'instant, c'est tout ce qu'on a. Ah. FF14 Before Meteor. Cette musique, quoi. Descends là. Et si on se repose. Mais non, mais descendez pas là, allez. T'es sérieux que tu vas pas à la station essence qui est de l'autre côté de la rue, Michel? En avant. Ok, on y va. Tu es de fou de moi. Bon, on va le prendre dans l'autre sens. On descend là. Bon, allez. Mettons encore plus loin aussi pour mettre de l'essence. Ah, mais la totale. Ah. Mais bon, comme je disais, il y a surtout une voix que j'ai envie d'entendre avant qu'on s'arrête pour ce soir. Du coup, si je me souviens bien, ça va nous permettre de finir un chapitre, hein, j'ai un doute. Je sais plus, peut-être. Ça va, Michel, on se gare bien, là. Même moi, je me gare pas comme ça. Alors, c'était pas une blague, le disque de Cotes est en feu. Mieux vaut rester à distance. Dis donc, il y en a du monde. J'imagine que nous nous trouvons dans l'artère principale. Apparemment, elle est à l'hôtel Lévin. On y va. Bravo pour la promotion de ta femme. Tu dois être content. Comment ça, bof? Très bien. Bonne ambiance. Se régaler, ça se passe ici. Je la connais, cette voix. Merci à vous. Ah bah oui, c'est Herbert. Pour voilà, qu'est-ce que je vous sers? N'hésitez pas à revenir chez nous. Mais oui, c'est Herbert. Donc Herbert est devenu restaurateur. Bienvenue chez nous. Vous mangez quelque chose? Vous avez besoin d'un petit renseignement? Ouais, carrément. Mets à jour ma carte. Jetez un coup d'œil au menu. Des brochettes à la sauce aux noix. Sauté de pommes de terre et pain, ouais. Riz au poulet. Ouais. J'ai l'impression que les monstres sont de plus en plus agressifs. Merci d'être passé. À bientôt.
Ah non, c'est à droite là-bas. On va déjà aller voir celui-là. Un baiser de demoiselle. N'hésitez surtout pas à regarder. Ouais, non, lui, c'est que des armes. Ah, c'est vrai que j'ai pas de bouclier pour Gladio. Bon, c'est qui le buffle là qui me respire dans l'oreille? Les affaires sont les affaires. On équipera Gladio. Pistolet de mitrille là, ouais, j'avoue ça peut être pas mal. Ça fait un peu plaisir. Alors les assassins je les ai lootés, il faudra que je les mette sur Ignis. À la prochaine. Allez. Pour la promotion de ta femme. Il y a des promotions partout ici. Tac. Ouais, le double de dégâts quoi. Bouclier de glace, tac. Quoi il ressemble? Ah putain. Je peux prendre de boutons à chaque fois. Je vais voir à quoi ça ressemblait. Très sympa. Classique. Ouais, classique. Et puis pour moi, je crois qu'on est bon. J'ai pris une lance, je crois. Ouais, javelot de glace. Tac, on va filer la Gaebolg à Ignis. Et on sera pas mal. Non, ça je vais garder Tourbillon. C'est une de celles que je préfère. Ça. Gardez ça. Et ça, je garde la balle perçante. Tu dois être content. Un bof. Comment ça, bof? Ah là là, cette ville. Hop hop hop. Sphère magique, nice. You here. Bonjour. Autocollant, ouais non ça on s'en fout. Revenez bientôt. Je vais voir s'il y avait des nouvelles musiques. Il y a un resto là-bas au fond. J'ai oublié ça. Alors est-ce qu'il met à jour les mêmes parkings et compagnie, Michel? Du pain tout chaud qui sort du four. Personne ne peut résister à un si bon pain. Ah, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Et voici notre menu. Curry non, velouté, un gros pain au curry, très bien. Merci d'être passé. Toujours la pêche. Ouais, bon, on va passer par là. Bienvenue. Repassez-moi. Yeah.
J'aime bien. J'aime beaucoup. Bon, avant d'aller à l'hôtel, j'allais dire à l'hosto. Non, ça, c'est pas la même. On va passer par ici. C'est dingue le nombre de stands. En plus, que de la nourriture exotique. Oh, rien que l'odeur est alléchante. Vous venez d'arriver, alors prenez le temps de tout regarder. Non, pas intéressant. Venez vite me voir. Pas intéressant. Et toi? Salutations. C'était quoi déjà le plat qui vous avait tant plu? Ah, c'est la première fois que je viens, Michel. Au courant des rumeurs de la ville. L'Estaloum est célèbre pour ses plats très épicés. Des tripes bouillies. Alors ça ira, merci. Brochette corsée, ça par contre on parle. En proportion de la différence de niveau de la cible. Hein. Pourquoi pas? Vous pourriez nous aider? Vous me quittez déjà? Revenez quand vous voulez. Allez, bon, on va à l'hôtel cette fois-ci. Cet écart qui m'a foutu dans le mur. Allez go! Oh, c'était quoi ça? Un tremblement de terre? Ça va? Je comprends pas. Un violent mal de tête. Ça va mieux? Ouais. C'est passé. T'as, qu'est-ce que j'aimerais que mes maux de tête restent 5 secondes et puis basta, vie de Dieu. Allez. Je veux la voix. Hé, Gladio. Iris. Toi, on connaît ta voix, mais c'est pas celle qui m'intéresse. Qui aurait pu croire qu'on se retrouverait ici? Eh ben dis donc, t'as l'air en forme. Et une sœur magique. Pauvre, vous devez être épuisé. Dites, vous allez rester un peu? C'est ce qu'on a prévu. Quand t'auras une minute, faudra que tu me racontes tout. Ok. Je veux la voix! Content de te revoir, Jared. Et toi aussi, Talcott. Prince Noctis, t'inquiète pas, je protège Iris. Je vous prie de m'excuser. Je n'ai pas inculqué l'étiquette à mon petit-fils. Y a pas de mal. Ces mots nous vont droit au cœur, Votre Altesse. Nous nous retirons avec votre permission. Prince Noctis, passe une bonne nuit. Non. Oh. Brigitte Le Cordier. Ah. On a tellement tous grandi avec. Iris, dis-moi, il y a eu beaucoup de dégâts? En fait, la citadelle et ses environs ont été bombardés. Mais de nombreux quartiers de la ville sont restés intacts. Ah, l'Empire visait donc bel et bien des points stratégiques. Franchement, si je peux faire quoi que ce soit, dis-le-moi. Ah, merci. Qu'est-ce qu'il y a? En fait, j'ai entendu une rumeur. Les gens disent qu'ils ont vu Dame Luna Freya en ville. Mais il paraît qu'elle est repartie aussitôt. En tout cas, elle allait bien. Ça me rassure. Merci. Bon ben, je vous souhaite une bonne nuit. Aïe aïe. Bon, il n'y a pas de level up. Ah, mais. Oh. On appelle ça de l'arnaque. En tout cas,
Prompto passe en photo level 5 et il a le filtre Aub. Alors, non. Oh, c'est un chocobo. Oui. What? T'es sous tes lunettes, Ignis? What the fuck? Ah! Il est là! Étonné qu'ils aient rien dit. Y'a petit Carbuncle! Ah. Je garde. Et je garde. Donc ça nous fait notre deuxième apparition du Carbuncle. On a eu une apparition... deux apparitions Carbuncle, une apparition... Lara. Salut. Où sont les autres? Ils sont partis dans une balade avec ta cote. La ville vaut le coup d'œil. D'ailleurs, tu veux la visiter? Carrément. D'accord. Ouais, bonne idée. Tu vas voir, je suis un bon guide. Ça valait le coup d'attendre qu'il se réveille. Allez, promenez-vous bien. Ouais, je peux pas m'arrêter là. Mais dès que je pourrai resave... On va commencer par... visiter le marché. Ça te dit? Dès que je pourrai resave, on s'arrêtera là pour ce soir. Hey, ils sont restés à chanter toute la nuit. C'est vraiment un endroit superbe ici. Chaud. C'est vrai. Ah, Jacqueline m'a salué, j'allais pas partir. Ah. Ici, c'est le marché de Partelum. Ils ont tellement de choses. C'est sympa, non? Si je pouvais, j'achèterais tout! Ah bah... on va jouer le jeu! Il y a tellement de boutiques, c'est normal que t'aimes. Wow, tu me connais bien! Ouais, fonce dans le tas! T'as vu tous ces produits? J'en avais jamais vu autant! Dis, tu peux me laisser regarder? Une seconde! Terminé! Bon, maintenant, la centrale! Ah, barrez-vous! Laissez-nous passer! Bon, j'ai plus que un jour de location de Chocobo, je vais pas la relancer. Puisque va y avoir des quêtes qui vont faire que je vais pas m'en servir en fait du Chocobo. Pas d'objet là-bas? Si, un petit objet. Non mais puis après j'ai de le cordier quoi, évidemment que je voulais qu'on fasse cette quête aujourd'hui. Alors, voilà la centrale électrique, c'est de là que l'Estaloum tire sa richesse. Ce qui est spécial, c'est qu'il n'y a que des filles dans cette centrale. En fait, j'ai découvert que ce sont les femmes qui font tourner l'Estaloum. Encouragé. C'est l'endroit idéal pour toi. Tu serais une vraie star ici. Tu penses aussi? C'est différent de chez nous, mais ça a l'air de fonctionner comme ça. C'est cool. Ok, on y va. Allons voir un beau panorama. Allez go! Je fais ça pour ce soir, j'ai 2-3 vidéos à regarder avant de me coucher, bonne fin de live et bonne nuit à tous. Ça marche Tina, merci à toi d'être passé. La bonne fin de soirée, la bonne nuit et au plaisir. On va pas passer par là, c'est chiant. Mais de toute façon, ouais, on va pas tarder à s'arrêter. Dès qu'on aura fait le tour avec Iris et que je pourrai save. Leurs maisons sont différentes des nôtres, mais elles ont un certain charme. Oh.
Ouais, je suis pas fan, moi. Je... Non, je suis pas convaincu, perso. Je... Bon. Pas tout à fait le style de maison que j'apprécie. Ils ont de super bonnes boissons. Tu devrais essayer. À l'occasion, ouais. Oh, mais le mec blasé, quoi, sérieux. La pub, juste au moment où je compte fermer la page. J'aimerais tellement faire un tour en voiture. Ouais, pourquoi pas. Oh, mais mec. Fais au moins genre que tu t'intéresses. Iris ? Ah, ce mec blasé de la life, quoi. Bide de Dieu. Heureusement que dans les choix que moi je fais, je donne l'impression qu'il s'intéresse un peu pour sa vie de Dieu, sinon. C'est joli, n'est-ce pas? Ici, c'est le belvédère de Peglar. Regarde là, on peut voir le météore. Noct, j'ai l'impression qu'on a un rendez-vous en amoureux. Arrête, on va rigoler. Si c'était le cas, ton frère me tomberait dessus. Pourtant, on fait rien de méchant. En plus, tu dois avoir Dame Lunafreya en tête. Les autres ont dû rentrer à l'hôtel. Tu veux qu'on aille les retrouver? Voilà. Allez, retour à l'hôtel. Ah bah, ils ont changé de place. Non mais franchement, tu nous vois dans un endroit aussi chic et snob. Non, on va passer par le centre. De même, on peut pas couper à travers les deux bâtiments, puisque c'est en dehors de la zone de la quête. Allez. Bon, suis choupette. Tellement passé à travers le PNJ. Ah. J'avais pas vu qu'elle avait rattrapé. Bon, est-ce qu'on réentend la voix avant de partir? Je me demande si les autres sont déjà rentrés. On s'était plus promenés comme ça depuis notre enfance. C'était sympa. Merci beaucoup. Oui, bah carrément, on va la prouver. T'as raison. C'était cool. Merci à toi. T'es gentil. C'était bien de nous changer les idées. Et 500 points d'XP cadeau. Bref, ce que j'ai acheté, c'est un cadeau pour toi. Mais comme c'est une surprise, tu vas devoir attendre. Elle est cool, Iris. J'aime beaucoup ce personnage. Voilà. Allez, vas-y, mon petit ami. Ah oui. Dis-leur ce que tu m'as raconté. Ok, mec. Talcott, un peu de respect. Mmh. Pas besoin de manière, je ne suis qu'un citoyen. Je vais parler d'une légende qui dit que l'épée d'un roi a été cachée derrière une chute d'eau. Cela a peut-être un lien avec les tombeaux. Oh, madame Brigitte Le Cordier, bien sûr. Parlez-moi encore. Merci pour l'info, Talcott. Y a pas de quoi. Oh. Je crois que l'épée est là-bas, mais m'en voulez pas si je me trompe. Ici, on connaît tous cette légende, les vieux comme les enfants. N'empêche que le jour où j'ai découvert qu'il y avait la voix de Brigitte Le Cordier qui doublait Talcott, c'est tellement le genre d'endroit, enfin le genre de jeu sur lequel je m'attendais tellement pas. Mais c'est cool, je trouve ça très très cool. Allez, du coup, la petite sauvegarde. Et on va s'arrêter là pour cette fois, j'espère. Que cette soirée de Final Fantasy XV vous a plu. Et pour le coup, on se retrouve nous dès demain pour de nouvelles aventures. Mais d'ici là, portez-vous bien. Et que la funk soit avec vous, les amis. Ciao, ciao.